Voilà, donc ce qu'on vient de faire, c'est créer des gabarits au départ des pages existantes. Il faut bien penser à vider les gabarits. C'est ce qu'on fait ici. Vous allez double-cliquer maintenant sur le gabarit qui s'appelle B. Mais bon, ça peut se modifier aussi, hein. Les noms des gabarits, mais vu qu'on les voit visuellement, ce n'est pas vraiment utile de les renommer. On voit ce que ça donne. Vous double-cliquez sur le gabarit B. Oui, il y a la petite lettre A sur lui, mais ça, on va expliquer après. Donc, voilà le gabarit B. Et vous mettez le curseur texte dans la colonne. Vous faites commande A, touche suppression. Donc attention, on n'a pas supprimé le bloc. C'est important. On n'a pas supprimé le bloc, on a supprimé le contenu du bloc. Donc si je viens maintenant avec la flèche noire à l'endroit du bloc, je vois qu'il est là. Il n'y a pas de problème, il est là. Même chose pour le gabarit C, je double-clique sur le gabarit C, je vais dans une des colonnes avec le curseur texte. Je fais commande A, touche suppression. Donc c'est la touche suppression de caractère, c'est la flèche qui va vers la gauche sur le clavier. Et j'ai supprimé le texte. Même chose pour la page, le gabarit D. Donc vous avez bien compris qu'on travaille dans les gabarits ici. On n'est pas en train de travailler dans le... On n'est pas en train de travailler dans les pages du document. C'est vraiment les gabarits qu'on est en train de vider de leur texte. Mais logique, parce que on veut cette configuration de bloc-là à d'autres endroits du document, mais pas le même texte. Ça va devoir être un texte différent. Ok, là pour le gabarit E... J'ai double-cliqué sur lui. J'essaie de mettre le curseur dans le texte et ça ne marche pas. C'est qu'il y a une erreur. Le bloc texte est certainement sur un mauvais calque. Donc je vais dans la palette des calques. Bon, je vais attendre que vous soyez tous arrivés là parce que c'est vrai que ce n'est pas si évident. Donc, gabarit E, il y a un truc bizarre. Je vais, dans la palette calque, déverrouiller les calques, tous. Je clique avec le curseur texte. Je regarde... Tiens, il faudrait que je sélectionne le bloc avec la flèche noire, plutôt, pour voir où il est. Je sélectionne le bloc avec la flèche noire. Ah, bah tiens, je vois qu'il se trouve dans un calque qui s'appelle « Image à fond blanc ». C'est pas du tout le calque qui convient pour cet élément-là. Donc je vais le transférer. Vous avez sélectionné votre bloc avec la flèche noire dans le gabarit E. Vous voyez qu'il y a un petit carré en face de image à fond blanc. Vous le déplacez, cliquez, glissez. Vous le déplacez vers le calque texte. Et voilà. Le bloc a été transféré vers le calque qui est censé contenir les blocs texte. Je vais verrouiller rapidement les autres calques avec Alt-clic dans la deuxième colonne. J'ai réussi à verrouiller les autres calques rapidement. Ça fonctionne comme ça dans tous les logiciels Adobe. Alt-clic dans la deuxième colonne. Verrouille tous les calques, sauf celui sur lequel on veut travailler. Bien. Donc, je mets le curseur dans le bloc texte, je fais commande A, touche suppression. Bien. Ah oui, il faut que je déverrouille quand même aussi l'autre bloc, bloc texte info complémentaire. Je le déverrouille parce que je vais mettre le curseur texte à l'intérieur. Commande A, touche suppression. Voilà.